Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu as la forme. Écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, on va parler du sujet des travaux dans un investissement immobilier. Et si je veux te parler des travaux dans un investissement immobilier, c'est parce que je vois que il y a parfois peut-être une incompréhension sur la prévision de la fiscalité. Alors, on aborde ça énormément dans la formation. En fait, c'est justement ce genre de choses que tu maîtrises qui font que derrière, tu vas mieux réussir que les autres. Mais aujourd'hui, je te donne l'un de ces de nombreuses choses qu'on voit dans la formation. Donc aujourd'hui, je te parle de l'investissement immobilier en location meublée. D'accord ? Et dans un statut très particulier qui est le statut du LMNP, pour loueur meublé non professionnel. Souvent, on commence par ce statut-là et c'est vrai qu'il a un avantage, il a un gros avantage fiscal, mais il faut le maîtriser en fait cet avantage sur ce statut-ci. Et si je veux te montrer ça, c'est parce que je vois plein de gens qui achètent de l'immobilier avec ce statut et qui se disent « Tiens, je vais faire moi-même les travaux pour économiser de l'argent. » Et ma question c'est « Est-ce que en faisant les travaux soi-même, est-ce qu'on économise vraiment de l'argent ?» On va essayer de répondre à ça aujourd'hui. Donc, on va partir sur une idée qu'on achète un appart et qu'on a dans cet appartement pour 20 000 euros de travaux. Ok ? Donc, on va mettre ici « travaux », 20 000 balles. Alors, ça, c'est 20 000 euros de travaux fait par un professionnel. Ok ? Donc, tiens, je vais enlever ici. Donc, on va mettre pro. Ça nous coûterait 20 000. Alors, je sais pas, hein, on s'en fout de ce que c'est. Hein. C'est du carrelage, c'est des sanitaires, on s'en fout. Peu importe. Hein. C'est de peindre, c'est refaire le sol, voilà. Et puis, on se dit, ouais, quand même, 20 000 balles, ça fait chier. C'est quand même beaucoup. Donc, ce serait bien que je fasse moi-même. Et donc, en perso, ben, tu te renseignes. Et tu vois que tu n'as pas besoin de… ça ne te coûte pas si cher quoi. Qu'en fait, en perso, tu arrives à sortir à, on va dire, 6 000 euros. Donc, 6 000 euros perso de matos, 20 000 euros par un pro. Et là, tu te dis, ben, y a pas photo, je suis un investisseur rentable, je sais gagner de l'argent et donc, ben, je ne vais pas perdre 14 000 euros à payer quelqu'un pour faire mon travail. Ok, ça c'est la pensée qu'on se dit. Maintenant, il va falloir qu'on pense fiscalité. Parce que tu vas voir que c'est très différent. Si on pense fiscalité, le professionnel ne te coûte pas 20 000 euros. Attention, je répète encore une fois, c'est en LMNP, seulement en loueur meublé professionnel parce qu'on bénéficie de deux avantages qu'on ne bénéficie nulle part ailleurs dans l'immobilier. Le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir amortir différentes charges, notamment les travaux, on les amortit. Donc ça, toutes les sociétés peuvent le faire, les amortissements. Par contre, au moment de la revente, on ne va pas amortir, enfin on ne va pas rembourser ces amortissements. Alors qu'en société, on va rembourser ces amortissements. Donc c'est valable que en LMNP ce que je te dis. Donc en réalité, ça ne te coûte pas 20 000 euros à cause de la fiscalité, ça te coûte une différente somme. Maintenant, il faut partir sur une supposition. On va supposer que ta TMI, d'accord, ta tranche marginale d'imposition est à 30 %. Ce qui est en général le cas parce que quand tu fais de l'immobilier, tu as très vite un peu des loyers qui rentrent. Donc, TMI 30 %, je crois qu'il faut être au-dessus de 28 000 euros en nom propre, hein, en revenu. Donc, ça plus ton salaire, en général, on est à 30 %. Ok ? Donc, ça veut dire que ça, c'est ta TMI, c'est juste une information à garder pour la suite de nos calculs. Ok. Donc, quand tu vas faire 20 000 euros de travaux, en réalité, ces 20 000 euros-là, tu vas pouvoir les amortir. C'est-à-dire que fiscalement, tu vas pouvoir créer une charge tous les ans en disant, bah, alors ça va dépendre du type de travaux. Donc, je vais partir sur une moyenne de 10 ans. On va pouvoir amortir cette somme sur 10 ans. C'est-à-dire que tous les ans, on va pouvoir créer une charge qui n'existe pas en fait, hein, de 2 000 euros fiscalement. Enfin,
pas fiscalement, pardon, comptablement parlant, mais ça revient plus ou moins au même. D'accord ? On crée, je ne sais pas si tu arrives à voir, on crée, il faut que j'écrive un peu plus gros. On crée une charge de 2000 euros. Donc, cette charge de 2000 euros-là, elle a forcément un impact sur ta fiscalité. D'accord ? L'impact, c'est le suivant. En LMNP, hein, en nom propre, et ben, tu vas avoir là-dessus à payer normalement 17,2% de cotisation sociale. D'accord ? Je ne les détaille pas, il y en a plusieurs. Et puis, 30% de TMI. Alors, ça, c'est ce que tu payes sur ton bénéfice comptable quand tu fais de l'immobilier. D'accord ? À la fin de l'année, on compte combien tu as gagné. On va dire que tu as gagné 10 000 euros. Ça, c'est ce que tu vas devoir payer sur tes 10 000 euros de bénéfice comptable. On va te dire, bah, tu nous dois 17,2% de cotisation sociale sur ces 10 000 euros, soit 1 720 euros. Et tu nous dois 30% d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire bah, tu nous dois 3 000 euros. C'est-à-dire que tu nous dois 4 720 euros sur tes 10 000 euros de bénéfice. Ça, c'est normal, d'accord ? Maintenant, si tu as fait des travaux avec un pro et que tu as donc un amortissement, eh bien tous les ans, tu vas pouvoir avoir 2000 euros de bénéfices en moins. Ok ? C'est-à-dire que normalement, si tu n'avais pas fait des travaux par un pro, et je vais t'expliquer après pourquoi, en fait, c'est pas vraiment par un pro. Si tu n'avais pas fait d'amortissement, tu devrais payer cette somme-là sur tes travaux, d'accord ? Sur la somme que tu aurais gagnée en réalité. C'est-à-dire que, en fait, c'est 2000 euros, tu économises 47,2%. Donc, puisque de toute façon, tu vas devoir payer ces 47,2% sur ton bénéfice, si tu réduis ton bénéfice parce que tu as fait des travaux, c'est comme si tu avais une réduction de moins 47,2% sur le prix de tes travaux. Alors attention, c'est valable en pro, mais c'est valable aussi en perso. Donc pour le moment, on est plus ou moins kiff-kiff. Sauf que en perso, bah, ce serait pas 600 euros. Tiens, on va faire le truc jusqu'au bout. Ce serait pas 2000 euros en moins, puisqu'on on a dit sur 10 ans, mais 600 euros. D'accord ? Tu me suis là pour ces 47%. Comme ça, je vais pouvoir mettre des sommes. C'est-à-dire que je vais prendre ma petite calculette qu'on appelle aussi un téléphone portable. Alors, on va faire les chiffres bien. Désolé, hein, c'est comme ça. Quand je prends mon téléphone, il y a un petit moment. Donc, 2000 euros multiplié par 0,47,2. C'est-à-dire qu'il y a 944 euros qu'au lieu… C'est ça qu'il faut comprendre, qu'au lieu de les donner aux impôts, tu les donnes à tes travaux. Alors que si tu avais fait toi-même les travaux, d'accord, on serait à 283 euros d'économie sur les impôts. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que tu donnes aux impôts, c'est de l'argent que tu donnes à ton patrimoine, à ton bien immobilier. Ok. Ça, c'est sur 10 ans. Alors, on va admettre que tu gardes ton bien pendant 10 ans. Et donc, à la fin de tes 10 ans, okay, tes travaux, en fait, ils t'ont coûté avec un professionnel 20 000 moins toute l'économie d'impôt que tu as fait. Okay, c'est-à-dire 9 440 euros. Qu'au lieu de donner cet argent aux impôts sur les 10 ans, tu les as donnés à tes travaux. J'enlève ma TMI à 30%. Hein, on essaye de se garder ça. Et en perso, en réalité, tu peux enlever 2830 euros parce que pareil, tes travaux, tu vas les amortir. Ok ? Donc ça, en fait, c'est une économie par rapport aux amortissements. J'enlève le reste. Je vais enlever ça avec un chiffon pour ne pas me dégueulasser la main. Donc, tes travaux, on reprend maintenant le début. En pro, ça t'a coûté 20 000 euros moins 9 440 euros. D'accord ? Et en perso, tu as 6 000 euros moins 2 830 euros. Pour le moment, on reste ça, on va faire le calcul après. C'est pas fini. Au moment de la revente, et ça, c'est valable qu'en LMNP encore une fois. Hein. Au moment de la revente sur ta plus-value, tu es imposé en particulier à 36,2%.
D'accord? 36,2%, ça c'est ce que tu vas donner aux impôts sur la plus-value. Vu que tu as fait un investissement immobilier correctement, tu as appris à le faire correctement, c'est sûr qu'il y a de la plus-value. D'accord? S'il n'y a pas de plus-value, il y a un gros souci, ça veut dire qu'on a mal fait les choses. Nous, on essaye de faire les choses correctement, donc on a de la plus-value qui reste et quand on revend, ben, on la récupère. Donc, la revente est imposée sur la plus-value à 36,2%. Oui, mais quand tu fais des travaux perso, donc tu as fait toi, tu es allé à Casto, tu as acheté tes trucs et tes machins, tu en as eu pour 6 000 €. Eh bien, le notaire, il dit bah, « Bravo monsieur, c'est bien, vous avez bien fait votre travail. » Par contre, si tu as utilisé un pro, là, le notaire peut dire « Ah, vous avez utilisé un pro, donnez-moi la facture du pro et on va déduire ce montant de la plus-value. » C'est-à-dire qu'on va prendre les 20 000 €, ok, et on va dire bah, là-dessus, puisque vous avez dépensé cet argent en plus pour le bien et qu'on a la facture d'un professionnel, eh bien vous n'allez pas payer de plus-value sur ce montant de travaux. Ce qui revient à dire qu'on a encore une réduction de 36,2% qu'on ne donne pas aux impôts, mais qu'on donne à nos travaux. Donc ça veut dire qu'ici on a nos 20 000. Ok? Et là, on a encore un moins 36,2 qu'on ne donne pas aux impôts, qu'on donne à nous-mêmes dans nos travaux. Alors, combien ça fait ça? Je ne sais pas. Enfin, si, je dois le savoir. Ça doit faire quoi? 7200 et quelques. Donc, 20 000 € multiplié par… Voilà, 7240. Donc, ça, c'est encore 7240 € économisés. Ces 7240 €-là, tu ne les donnes pas aux impôts, tu les donnes à tes travaux. Donc, ils reviennent ici. Ici, on est à moins encore, d'accord, 7240 €. Bien. Mais on a dit qu'en particulier, tu peux pas, enfin, quand tu as fait toi-même des travaux, tu ne peux pas faire ça. En fait, il s'en fiche de tes factures à la con. Il te dit oui, mais nous, rien nous prouve, si tu veux, que effectivement, ça atterrit dans le bien. Rien nous prouve ça. Donc, en fait, on ne sait pas où c'est et on s'en fiche, quoi. Donc, tu ne peux pas le déduire de la plus-value. Je te fais un petit zoom sur le tableau parce que je ne sais pas si il arrive à bien cadrer. Ok. Maintenant, du coup, on va compter et ce n'est pas fini. Il y a encore autre chose à compter. Hein. Donc, on va enlever la revente, d'accord, et on va compter finalement mes travaux. Avec un pro, au final, ils m'ont pas coûté 20 000 €, mais ils m'ont coûté 20 000 moins les 9 000 et les 7 000. Ce qui revient à dire que… Et ça là, Lolo, si tu me regardes… Bon, alors Lolo, c'est une amie investisseuse qui n'a pas compris ça, je crois. Donc, on enlève, moins 9 440, moins 7 240, et du coup, qui se fait chier à faire les travaux elle-même. On est donc, en fait, le coût de mes travaux est en réalité, d'accord, je vais mettre ici travaux pro, avec mes réductions là, en réalité, ça me coûte, combien ça me coûte? 3320 €. Ok? Et je t'ai dit que c'était pas fini. Alors que si j'avais fait moi-même, eh bien on est à 6 000 € moins 2830. Si j'avais fait moi-même, donc en perso, ça m'aurait coûté, enfin ça me coûterait 3170 €. Génial! Donc ça me coûte quand même moins cher de faire mes travaux moi-même que de les faire faire par un pro. Ok, maintenant… Je vais prendre mon exemple de mon ami qui fait ses travaux depuis des mois. Depuis des mois. Des mois, c'est interminable. Alors, je sais que ce n'est pas sa faute, hein, elle ne voulait pas faire comme ça, mais je veux dire, quand on fait les travaux soi-même, ça met très longtemps. Ça met très longtemps parce que un pro, il ne vient pas tout seul. Hein. Ils sont à 5. Enfin, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois des travaux par des professionnels. C'est une équipe qui débarque. C'est une équipe, non seulement un, ils sont plusieurs, mais deux, ils te torchent ça en 2 secondes parce que c'est leur métier.
Ils font ça toute la journée, toute l'année. Depuis des années, c'est leur métier. Donc, pour eux, monter un mur, c'est fait en 2 secondes. Enlever le carrelage et en remettre, c'est fait en 1 jour, 2 jours. Tu vois, c'est hyper rapide. Donc ça se chiffre. Ce temps-là où il y a des travaux, il est chiffrable. C'est-à-dire que si tu fais toi-même 20 000 euros de travaux, déjà il faut bien se dire une chose. Je ne vais pas le chiffrer, mais déjà pour que tu puisses avoir le temps de faire des semaines, voire des mois de travaux, peut-être que tu dois même prendre du congé. Peut-être du congé sans solde, ou peut-être tu es en train de niquer toutes tes vacances, tous tes week-ends, toutes tes soirées. Peut-être. Donc, ça se chiffre au niveau de ton salaire que tu aurais gagné ailleurs, mais je ne vais pas compter ça. Je vais compter le temps que, perso, on va dire, tu le fais en 3 mois. Et tu bosses et la boîte, le professionnel, il te torche ça en 2 semaines, quoi. Alors attention, effectivement, il y a toujours des retards. Tiens, pour la compta, on va être plus simple, on va dire 1 mois, d'accord. Il y a toujours des retards, il y a toujours il y a plein de techniques à connaître pour être le premier et pas que le pro ne te parle pas pendant des mois. Par exemple, il faut prévoir ça en avance. C'est-à-dire que le jour où tu as tes clés, le lendemain, les ouvriers sont là pour bosser. Et pas « Ah, ça y est, j'ai mes clés. Allô, les ouvriers, quand est-ce que vous pouvez venir ?»« Dans 2 mois, madame. » Ah ouais, là, ça fait chier. Donc, il faut faire ça en avance. Donc, cette différence-là, elle se chiffre aussi. Elle se chiffre dans ta location. D'accord ? Mais tout simplement, donc que tu sois en Airbnb, que tu sois en coloc, on n'a pas chiffré le montant, je sais pas ce que c'est, mais on va faire une moyenne de 1000 euros par mois. Là, en fait, si tu veux, tu as perdu sur ta renta et tout ça, tu as perdu 1000 euros avec un professionnel, que toi, quand tu as fait toi-même, tu as perdu 3000 euros, d'accord, en termes de loyer, parce que tu as mis 3 mois. Donc en fait, tu as encore une différence de 2000 euros. C'est-à-dire que le prix, alors on va faire différemment, les travaux t'ont coûté plus que 3320 euros, ok, mais ils t'ont fait perdre 1000 euros parce que ça a mis 1 mois. Donc tu mets plus 1000 euros pour chiffrer un peu correctement. Donc d'un coup, les travaux t'ont coûté 4320 euros. Mais toi, quand tu as fait toi-même, tu as mis 3 mois. Donc là, c'est plus 3000 euros. Plus 3000 euros parce que c'est de la perte en fait. Tu n'as pas rentré cet argent. Ok ? Donc là, j'étais à 3, je crois. Donc maintenant, je passe à 6. Et donc, le résultat final, c'est que avec un pro, sur le papier, ça m'a coûté vachement plus cher. 20 000 balles contre 6 000 euros. C'est une grosse différence. Sauf que moins les amortissements, moins la plus-value, moins le temps que je perds à ne pas louer mon bien, ça ne me coûte plus que 4320 euros. Alors, si j'avais fait moi-même, je reprends, d'accord, je peux faire les amortissements, donc je suis à 2830 euros et j'ai perdu 2 mois à 1000 euros par mois. Donc, j'ai perdu en tout, ça m'a coûté 6170 euros. Ça m'a coûté 170 000 euros. Je suis crevé. Parce qu'il y a ça aussi, 3 mois de boulot, c'est du taf, quoi. Je suis épuisé. J'ai peut-être pris des congés sans solde ou pire, mes vacances pour faire ça, mes soirs, mes week-ends. Je ne suis pas professionnel de tout, tu vois. Donc, je ne peux pas être pro du carrelage, pro de la plomberie, pro de la peinture. Donc, en fait, tout est bof. Tout est bof. Je ne dis pas qu'il faut utiliser un artisan qui fasse tout parce que lui aussi, tout sera bof. Mais tu utilises plusieurs artisans, chacun son corps de métier. Pour qu'il soit performant. Voilà, quand on regarde les chiffres comme ça, pourquoi, vraiment, pourquoi s'emmerder à faire les travaux soi-même? La seule raison qui peut justifier à faire des travaux soi-même, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer directement, tu vois, sur le montage du dossier, on ne peut pas faire les 20 000 euros parce qu'on n'a plus de capacité d'endettement, on n'a pas l'argent d'avance, etc. Mais les travaux, je te rappelle que tu peux le faire, tu peux le mettre dans le crédit. Tu as parfaitement le droit, et je t'encourage d'ailleurs, et il faut le mettre dans le crédit. Donc en fait, ces 20 000 euros-là, tu ne les vois même pas. Tu les vois même pas. Je te fais un petit truc là pour finir là-dessus. 20 000 euros, d'accord, sur
20 ans, sur 20 ans à un taux normal, voilà, ça te coûte 100 euros par mois. 100 euros par mois, voilà. D'accord ? Sur la durée de vie du crédit. C'est pas dingue, c'est pas énorme. Ok ? Donc pourquoi te faire chier alors qu'en plus, quand tu fais toi-même, tu perds de l'argent, ça te coûte plus cher que de le faire faire par un pro. Voilà, LMNP, les gars, il va falloir penser à compter comme ça. Mais donc, quand on pense comme ça, effectivement, il y a vraiment une grosse différence de faire faire par un pro. Maintenant, mon exemple, c'était sur 10 ans. Si effectivement, tu ne gardes pas le bien 10 ans, mais que c'est juste un coût rapide et que tu le gardes 2 ans par exemple, le bien, bah, là, c'est plus 9 400. Ok, on avait dit… Je crois que c'était 944 euros par an, ben c'est 1800 euros que tu vas enlever. Donc, il va falloir peut-être un peu refaire. Mais si tu fais un investissement, on va dire classique, tu gardes entre 5 et 10 ans, mais t'emmerdes pas, hein. T'emmerdes pas, tu fais faire les travaux. Bien sûr, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. D'ailleurs, en travaux, ça c'est important aussi. Quand tu fais tes travaux avec des pros, tout n'est pas… retirable de la plus-value au moment de la revente. Il y a, alors, pas sur la totalité, mais sur le type de travaux. Et ça, on en parle dans la formation immobilière. Je ne vais pas non plus tout te dire aujourd'hui. On en parle dans la formation immobilière qui se trouve d'ailleurs dans la description. Il y a une formation que je suis en train vraiment de peaufiner, d'améliorer pour que ça soit vraiment nickel. Et si tu veux, on te dit dedans les types de travaux que tu peux enlever de ta plus-value et il y a des types de travaux que tu ne peux pas enlever de ta plus-value. Donc pareil, il faut maîtriser en fait. Il faut maîtriser tous ces chiffres pour comprendre et faire les choses correctement. Et sans être formé, ben en fait, tu peux pas savoir. Tu vois, si je t'avais pas dit ça, peut-être tu saurais pas. Et bref, forme-toi, apprends et agis. Je te rappelle que cette année, c'est le dernier. C'est vraiment la dernière porte ouverte pour des crédits pas chers. Après ça, les taux vont augmenter et quand les taux vont augmenter, ton crédit coûtera beaucoup plus cher. C'est dommage, alors que tu aurais pu le faire cette année. Donc vraiment, agis, réagis. Regarde dans la description, il y a pas mal de formations. Formation IMO, il y a une masterclass qui est entièrement gratuite que tu peux suivre totalement gratuitement. Voilà, c'est le moment d'agir. C'est vraiment le moment d'agir. Allez, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux la partager. C'est cool si tu la partages et on se revoit la prochaine fois. Ciao.